بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي يا رجال الله يا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني. دستور مدد يا مولانا الشيخ، دستور مدد يا صاحب الإمداد يا عبد المتصرف مدد الحق. أتيوا الله أتيوا الرسول والأولي الأمر منكم. لوانج سينيور دي مونت qui nous a accordé le compagnonnage de cœur, compagnonnage sur l'éducation spirituelle. Cette éducation qui nous fait si cruellement défaut. Cette éducation qui permet à l'enfant de mûrir, qui permet à l'adolescent d'atteindre la maturation adulte, et qui permet donc à l'adulte de remplir sa fonction et d'être en relation avec tout ce pourquoi il a été créé. Lorsque nous regardons les enfants, nous savons à quel point il y a une partie de la vie pour laquelle ils ne sont pas conscients. Non. Souvent, pour la nature, ils prenez l'exemple. Il dit, si vous prenez un enfant comme ça et vous voulez lui parler de la passion, de l'amour, du feu de l'amour et du désir, il ne peut pas comprendre. Car ni il a la compréhension, ni il a la matière, la maturation physiologique, car l'amour est un état d'âme, un état émotionnel, l'amour passionnel, qui combine à la fois la pensée, le cœur et le corps. Qui est différent de l'amour. L'amour pour Allah. L'amour pour Allah qui définit l'absolu, qui définit la relation d'amour entre Allah et ses serviteurs, et entre le serviteur et leur Seigneur. Cet amour qui définit le relationnel entre les messagers et leurs disciples, leurs apôtres, et ceux qui les suivent. Cet amour qui définit le relationnel entre le pir, le cher, le murshid, et son disciple. Cet amour qui définit le relationnel entre deux croyants qui s'aiment en Allah, qui est différent de ce que nous connaissons sur le terme passionnel. Allah Azzawajal, combien de fois il a donné à ses prophètes et à ses messagers des leçons à propos de cela.
donné des leçons à propos de cela à ses prophètes, à ses messagers. Quand Sayyidina Yaqub alayhi salam, il a mis trop d'amour pour sa progéniture, en l'occurrence avec Sayyidina Yusuf alayhi salam et Sayyidina Benjamin alayhi salam, les deux garçons de Sayyida Rahil. Hachem. Allahu Akbar. Et Allah Azza wa Jal lui a dit non. Ton Seigneur n'est pas assez que tu t'es détourné à ce point de lui. Cet amour total, incontestable, permet au serviteur une élévation, un accomplissement, une illumination au-delà de toutes les imaginations. Donc lorsque vous regardez l'enfant, il n'a pas cette maturité pour goûter à l'amour passionnel. Et si vous essayez de lui décrire autant que possible, il ne peut pas percevoir, sentir ce que le corps, le cœur et l'esprit d'un adulte mature qui a goûté à la fièvre de l'amour et de la passion peut ressentir. Au même titre, l'humain qui n'a pas commencé la quête spirituelle ignore tout de cet univers intense, cet univers dont chaque Chaque rivage est le rivage d'un océan sans fin. Allah vous permet de traverser cet océan, et alors que vous naviguez sur cet océan qui s'ouvre à vous, il vous est donné un autre rivage qui ouvre sur un autre océan. Et vous est donné un autre rivage qui ouvre sur un océan. Et il est possible pour Allah, lorsque vous rentrez dans un de ces océans, sur chaque vague qui arrive, il vous ouvre un autre océan. Et c'est rien pour Allah. Mais nous ignorons jusqu'à quel point nous sommes coupés de cette faveur, de cette réalité, à propos de laquelle c'est Omar, radiallahu anhu, le prince des croyants, l'archétype de la droiture et de la justice. Il a dit à propos de cet état que lorsqu'il se dévoile au cœur du croyant, il devient le trésor des trésors. Il a dit, si les gens, les rois de ce monde, savaient ce que nous portons dans nos poitrines, ils lèveraient toutes leurs armées pour venir le conquérir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quel sublime trésor dont il a parlé. Ce trésor, le droit de naissance de Kullu Bani Adam, tous les enfants d'Adam sont éligibles à ce trésor et à cette rencontre avec leur Seigneur alors qu'ils marchent sur cette terre.
Au-delà de cette terre, c'est inévitable, c'est inexorable. Allah, il dit que chaque chose va partir, excepté le visage de votre Seigneur. Chaque âme, elle va goûter à la mort. Et la mort, c'est la porte d'ouverture pour la rencontre avec Allah. Dans les bonnes ou les mauvaises dispositions. Allah nous accorde la bonne disposition. Alors, il y a cette différence entre cet amour primaire que nous connaissons. Vous avez vu le jeune qui découvre l'amour, qu'il soit adolescent ou qu'il soit jeune homme ou la jeune fille. Elle peut chanter, elle peut rêvasser une année durant, elle oublie de manger. Non. Le jeune, d'un seul coup, vous voyez la personne qui était sérieuse, et il commence à chanter, il commence à danser, il commence à avoir un comportement presque erratique, tellement il est heureux. Vous allez chez les Turcs. Ils sont très. Toujours le faciès, comme on dit chez nous, Kalatigi, un chef de guerre. Ça fait partie de leur archétype. Il n'y a pas de moquerie dedans. Les Turcs sont des guerriers dans l'âme. C'est leur archétype. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne leur cherchez pas des gnasses. C'est un peuple avec lequel il ne faut pas arriver à demander aux Mongols, demander aux Grecs, demander aux Occidentaux, demander même aux Italiens, ce que les Turcs ont montré dans leur force, dans leur détermination, dans leur faveur. Alors ils ont ce faciès sérieux. Quiconque a connu la Turquie ou chez Mawlana Cheikh, jusqu'à ce qu'ils deviennent amoureux. Et là, ils commencent à chanter, ils commencent à danser, ils commencent à rigoler. On ne peut plus les arrêter. On était à Chypre, et là, Mawlana Cheikh Nazim, il est en train de faire les pourparlers. Pour le jeune homme, il y avait une jeune fille, la fille d'un de nos Moukaddam. Et là, le jeune homme qui était toujours sérieux, toujours la mine triste, voilà. Comme vous avez changé la face de la pièce, complètement différent. Par le feu de l'amour. Mais Allah Azawajal a établi l'amour absolu qu'il a à ses prophètes, il a enseigné cette différence. Parce que toutes les âmes sont éprises d'amour pour leur relation, pour leurs enfants, pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs proches. Et les prophètes ont été mis à l'épreuve parmi eux, Sayyidina Nuh, alayhi salam. Alors qu'il montait sur le bateau et que son fils a refusé de monter, il a pleuré à chaudes larmes. Il a dit, Ya Rabbi, c'est mon enfant. Alors Azawajal lui a dit, non, il est venu de tes entrailles, mais ce n'est pas ton héritage spirituel. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Qu'est-ce qu'il a dit, le fils de Sina Nour alayhi salam? Non, 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 je vais aller avec les gens. Il est parti avec sa rationalité. Son père lui a dit, non, Yawala dit, mon fils vient.
Ce qui s'en vient est plus important que tu penses. Même quand la pluie a commencé et qu'il a vu l'eau monter, et l'eau, elle descendait du ciel, mais l'eau sortait de la terre. Olam HaShem, il disait, Allah a ouvert des vannes où littéralement l'eau sortait de la terre. Scientifiquement, comment remplir la surface de cette terre sur une pluie jusqu'à ce qu'elle touche les montagnes si ce n'est pas le miracle d'Allah? Physiquement, on ne peut pas l'expliquer. Et il a dit non. Je vais aller sur la montagne, même si ça monte, ça ne peut pas atteindre ses sommets, je vais avec les gens. Et quand le bateau est parti, c'est d'un noir, il a pleuré. Allah Azzawajal lui a dit, ne pleure pas. Quand Maulana Cher, il nous a dit, Marhamata Kubra, il s'en vient. Cher Nazim, il en parlait beaucoup, il parlait de Sayyid al-Mahdi. Il disait, le temps arrive. Il a dit une fois, il a dit deux fois, il a dit 10 fois. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, oh, cher, on n'a pas vu. Et tout le monde a relâché sa vigilance. Qu'est-ce que le prophète sallam, dit? Le temps que vous finissez ce que vous avez dans votre bouche, une bouchée, le scénario final va se déclarer. Le jour va devenir obscur. Le ciel va pleuvoir du feu. C'est comme ça qu'on décrit cette guerre. Le ciel va pleuvoir du feu. La terreur va s'installer pire que toutes les terreurs de toutes les guerres qui ont précédé ensemble. Tu as vu le canal Historia? Ils ont beaucoup de reportages sur la Deuxième, la Première Guerre mondiale, là où on avait des caméras. Quand tu regardes ça, tu dis Subhanallah, Alhamdulillah. Qu'Allah ne nous a pas mis dans des tranchées comme des bêtes, sous le froid, sous la pluie, sous la grêle, avec les rats, les maladies, avec un ennemi en face qui ne change pas, qui nous fait pleuvoir le feu sur la tête. Pas une année, pas 2 années. Il y en a qui sont restés dans les tranchées 4-5 ans. Sous la pluie et la boue, surtout dans le nord de l'Europe. Allah ne nous a pas mis. Vous voyez les ruines des villes. Vous voyez les caravanes, des prisonniers et des morts. Vous voyez le feu de ces machines de guerre, semblables à la foudre. Quand les canons commencent à tonner et qu'ils ne s'arrêtent pas. Les gens qui ont connu la guerre demandaient aux enfants, l'enfant qui ne peut plus dormir parce qu'il a entendu le bruit des canons, le bruit des bombes, le bruit des scies. Quand on pense que ça tonne encore partout sur la terre aujourd'hui. Subhanallah. Voilà, la chef disait, ça va venir. Passé le cap de l'an 2000, qu'est-ce qu'il a dit, le sultan? Il a dit, j'ai fait mon travail. C'est prêt. Ce qu'on m'a demandé de faire, il est accompli. Maintenant, on attend. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comme c'est Nanouh alayhi salam. Il a bâti son bateau, il s'est préparé, il s'est assis, il a dit, j'ai fait mon travail, j'ai obéi à mon Seigneur, nous attendons. C'est Nanouh alayhi salam a attendu la première goutte de pluie. 40 ans. L'arche est restée sur la montagne, avec toutes sortes d'histoires dessus. Il est resté 40 ans sur la montagne avant la première goutte de pluie. Et ô combien ils se sont moqués de lui pendant ces 40 années. Mawlana Cher a utilisé la même allégorie en disant, j'ai fini mon travail comme l'arche, maintenant le temps pour le Mahdi est prêt, la nomenclature pour ses ministres et ses députés est prête, les gens d'autorité ont été mis à leur place, nous attendons. Non. Nous attendons quoi? La première goutte de feu. Alors quand les gens qui utilisent
leur intelligence, ils disent, oh, cher, on a les Nations Unies. Oh, cher, maintenant, on a les médias sociaux. Non, on peut plus. Les gens ne vont pas venir nous bousculer. Là. On va aller tout de suite sur Facebook et on va poster. Ça prend chez les gendarmes, là, pour faire dérailler la machine, un grain de sable. Comme ça a pris pour faire tomber Nemrod, un insecte, pour montrer la puissance d'Allah. Hein? Aujourd'hui, Cheikh Hicham, il nous disait, ce virus que vous ne pouvez même pas voir, Non. il est là pour vous réveiller, pour que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en lignée sur ce pourquoi vous avez été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ. C'est la fond. Vous avez été créé pour adorer votre Seigneur, pour le connaître, pour le glorifier et pour aller à lui, pour être couronné de tous les honneurs, de toutes les illuminations et pour être plongé dans des océans de réalité après océan de réalité après océan de réalité. On veut aller à Las Vegas. On n'est pas intéressé par vos histoires. Si une semaine je peux aller faire le show à Las Vegas, et la semaine d'après on va à Paris. Disney. Commence à être plus à la mode. On va à Dubaï. Devrait. Il aime ça aller à Dubaï. Alhamdoulilah. Il est l'antithèse de Dubaï, mais il y va par nécessité pour le travail. Un mirage, comme un cauchemar. Nos excuses pour les habitants de Dubaï, ceux qui pensent que c'est beau. Les tours de Nemrod, sorties du sable, de verre d'acier qui surplombe, et nous pensons qu'il y a là-dedans un khair. Attendez que les événements commencent et voyez ce que les djinns vont en faire. Comme il disait Mawlana Cheikh. Il a dit, sur la surface de la terre, il ne restera pas un bâtiment debout de ces tours. Quand Sayyidna al-Mahdi va arriver, tout va être anéanti pour effacer ce symbole d'une tyrannie et ce symbole d'un accomplissement illusoire. Alors cet amour, quand Sayyidna Yusuf alayhi salam est arrivé en Égypte et a été acheté par le gouverneur d'Égypte comme esclave, il avait une épouse, Zuleika. Dès qu'elle a posé les yeux sur lui, elle est devenue hypnotisée. Elle l'a vu grandir jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Et alors, elle est tombée éperdument amoureuse de lui. Et elle a tout fait pour le séduire. Désespérée. Elle a tout fait. En désespoir de cause, elle l'a accusé, l'a fait envoyer en prison. Il y est resté 7 ans. Et finalement, par la grâce d'Allah, sorti, restauré dans son droit, dans sa fonction, dans sa noblesse, la prophétie déclarée, il a déployé, il est devenu le prince d'Égypte, le prince suprême qui a fait tomber le polythéisme, qui a soumis le pharaon d'Égypte et qui l'a fait aimer de tout le peuple.
Et alors, elle continuait éperdument amoureuse à espérer même le croiser. Jusqu'à ce qu'elle vieillisse. Allah Azzawajal l'a fait vieillir. Il lui a fait perdre ses dents, il lui a fait perdre sa beauté, il lui a fait perdre sa vue. Tellement elle a pleuré de lamentation pour lui. Mais dans son cœur, un mélange entre l'amour absolu et l'amour des créatures. Et Allah Azzawajal l'a laissé ainsi, jusqu'à ce que de son cœur, alors rentre dans son cœur, rentre le repentir sincère, et que elle se tourne alors vers Allah. Là, Allahu Akbar. Il a fait venir Sayyidina Yusuf alayhi salam. On dirait maintenant, tu dois la chercher, la trouver, veiller sur elle et tu dois l'épouser. Quand ils l'ont amené devant lui, comme une vieille femme édentée, aveugle, qui avait perdu la moitié de ses cheveux. Et par la bénédiction de son Seigneur et son ordre, il lui a rendu sa jeunesse. Son mari est mort depuis longtemps. Avec l'ordre d'Allah, maintenant épouse-la. Maintenant que son cœur. Il est allé vers elle pour dire: j'ai reçu l'ordre de mon Seigneur pour toi et j'en suis satisfait, j'en suis heureux. 40 jours, elle était en séclusion avec son Seigneur. Ça, c'est la femme qui a brûlé toutes les limites par amour, qui a patienté toute une vie. Son amour n'a pas diminué, elle en a perdu la vue, elle a tout perdu pour cela. Elle a perdu sa fortune. Juste pour entendre parler de lui, elle donnait son argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est Najibril, alayhi salam, l'a dit. Oh, messager d'Allah. Tu penses que c'est toi qui avais conquis son cœur? Il y a la lumière de ton Seigneur qui t'habille. C'est de ça qu'elle a été éperdument amoureuse. Et elle a été amoureuse de la mauvaise façon, jusqu'à ce que son cœur s'enligne sur l'amour véritable. Et Allah Azzawajal, alors maintenant, te révèle la nature de cet amour. Et nous sommes intéressés par l'illusion de ce monde. Et lorsqu'on parle de spiritualité, ça fait plus de sens pour beaucoup de gens. Lorsqu'on parle de dîn, de religion ou de révélation, la majeure partie des gens aujourd'hui dans ce monde disent: on ne veut pas de règles et d'un carcan qui va nous empêcher de vivre. C'est un protocole d'accomplissement. C'est une clé pour ouvrir les océans de réalité. C'est un chemin pour vous faire mûrir, vous faire sortir de toddler. Non. Toddler, c'est quoi toddler? Before, after baby.
Après le bébé, pour vous faire sortir de cette étape de l'enfant primaire, pour vous rendre dans la phase adulte, ou alors vous, l'enfant comme ça, il doit aller au bout de la pièce ici, comme il a traversé la galaxie. L'homme qui est mature, il se lève. Il lève la tête, il regarde l'horizon, il veut aller au bout de de cet univers. S'il avait les moyens, il veut aller. L'enfant qui est immature, ce qu'il veut, c'est la proximité de de ses bien-aimés, sa maman. C'est la chaleur de sa maman. C'est le bien-être, le confort, la sécurité. Tout ce que tu lui donnes, il met dans la bouche. Non. Son univers ne dépasse pas ça. Et si tu lui donnes un panier rempli de rubis, de pierres précieuses, il est attiré parce que ça brille. Si tu lui donnes un bonbon, une sucette ou un chocolat, il te donne tout le panier de pierres précieuses. Juste pour la sucrète. Incapable de plus, parce qu'il n'a pas atteint la maturation. L'islam, c'est pour nous permettre de grandir, de rentrer dans cet univers qui ouvre des rivages après des rivages après des rivages, des océans à perte de vue. En dépit de tout ce qu'ils disent. Et l'islam n'est pas ce que l'on voit à la télé ou on entend dans les nouvelles ou on voit dans les livres d'histoire. L'histoire est un message descendu des cieux par le Seigneur des mondes, transmis par une chaîne de prophètes et messagers. Alors, une brise de lumière et de guidance qui ouvre les cœurs et qui les élève dans l'accomplissement, dans un espace d'un trésor inestimable à propos duquel Sayyidina Omar a dit, si les souverains de ce monde savaient ce que nous avons, ils lèveraient leurs armées pour venir le conquérir. Qu'Allah nous rende éligibles à ce monde. Par la grâce et l'honneur de la couronne des croyants, Habibika al-Mustafa Abdallah Salatu Wassalam, nous rend éligibles à l'amour véritable, à grandir, à mûrir, à s'accomplir et à toucher ces rivages qui ouvrent à chaque vague des océans et des océans. Ila halratina bin fatir. Allahumma salli alayhi.